DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Je ne prends pas ça à cœur. Mais ce que j'ai aimé avec les joueurs, ils ont très bien joué. Ils ont respecté les consignes. Malheureusement, ils ont agressé tôt dans le match, ils se permettent. Mais après les réactions étaient vraiment très bonnes. Ça donne vraiment l'envie de continuer à travailler avec ces jeunes joueurs. Malgré qu'on a commencé en retard, on n'a que 4 jours d'entraînement. Mais aujourd'hui, ils ont pressé. C'est comme s'ils étaient déjà avant depuis 3 semaines. Ça nous donne matière à travailler encore. Ça nous reste encore quelques semaines pour travailler 4-5 jours pour travailler encore. Si y avait des réglés, techniques et tactiques, ça pourrait. Mais ça va, je suis content de jouer. Il y a de cela une année ou deux ans, oui, si. On a visionné le match, on connaît ce qui était leur point fort. À savoir, ils savaient bien manier le ballon par rapport à nous à l'époque. Et ils étaient, notre équipe à l'époque n'était pas bien tactiquement en place. Et cela nous a donné déjà les moyens, l'idée déjà de l'adversaire. Il
faut bien d'abord être tactiquement au point et physiquement pour répondre, pour essayer de contrecarrer. Comme on dit, il n'y a pas tactique sans physique. Je ne réagis parce que tous les joueurs sortent d'une préparation des pré-saisons de cette année. Ils sont vraiment en forme, on a testé physiquement, les joueurs sont vraiment en forme. Aujourd'hui, on a terminé, le match vraiment en réaction et on voulait même accélérer. Sur le plan physique, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Sur le plan tactique, il faut qu'on réagisse ce qui nous manque. Ici, ça me manque encore 5 joueurs, à savoir ceux de Mazibé, 3 joueurs, Bakata, Ancien Mamba et Jacques Gloire, ainsi que ceux de Simba. Je pense que ça a l'air à toi où je vous parle. Ils sont les 2 joueurs qui sont déjà à Kinshasa. Donc, on a 2 matchs, on va être dans les imprimés. Il y a encore ceux de Mazibé qui ne veulent pas leur envol aujourd'hui, je ne sais pas. S'ils ont pris l'avion, ils ne veulent pas l'avion normalement à 20h, donc je ne sais pas s'ils ont déjà envie de bâcher. Et on est en contact avec eux et ça nous manque encore 5 joueurs pour compléter l'effectif qu'on a sélectionné. J'espère que tout le monde sera là ici à Kinshasa. On pourra travailler au moins ne serait-ce que 2 jours ensemble avant d'aller à l'Éthiopie. Ateo, estoy en moto, no te catapila. La silla donde pesa, ni te guasapita.